Salut les viewers, c'est Marcus Bonus et bienvenue dans la Playroom pour ce nouvel épisode de la bêta de Ghost Recon Wildlands. Ce sera un épisode un petit peu nocturne, je suis pas censé tourner de nuit normalement, mais j'en avais envie. Du coup, on est parti, on a plein de choses à faire, mais avant tout, j'aimerais aller voir la petite fumée là-bas. On a une tactical map, est-ce qu'on a des missions ou n'importe quoi? Oui, on a des missions. On a des choses, enquête à Itaqua, je vais pas forcément faire plein de quêtes principales, j'ai surtout envie simplement de me balader, de profiter un petit peu de tout ce que le jeu a à offrir. On peut voir par exemple ici à Yoril, il y a les dossiers du Kingslayer, une preuve photo, Yopil pardon, bah, écoutez c'est juste à côté, vous voyez c'est juste là, on va y aller, je suis passé à la manette, hein, et c'est vrai que le jeu me semble presque plus fluide à la manette, moins d'à-coups si je puis dire. Alors je pense que j'ai été déconnecté simplement à cause... Qu'est-ce qui s'est passé? D'après le GPS, ça s'appelle Yopil ici. Je vois aucune trace de combat. C'est juste une ville fantôme. Sans doute que le cartel ou ses chiens ont fait fuir tout le monde. D'accord, un sifflet. Bizarre. Il existe un village à Itaqua dont personne en Bolivie n'ose prononcer le nom Yopil, que les habitants des environs croient maudit. Il y a quelques mois, tous les villageois ont disparu du soir au matin et personne ne les a revus depuis. Certains pensent que la Santa Blanca a enlevé le village tout entier depuis une meute de chiens a colonisé les lieux, d'où son nom le village des chiens. On dit qu'il existe un sifflet spécial permettant de contrôler ces bêtes. D'accord. Les on-dit, hein. Je ne veux rien dire, mais... Des chiens, donc. Ah oui, des chiens. Bonjour. Bonjour Julie Toutou. Ok, on avait donc vu de la fumée, chers amis, j'ai vu de la fumée, voilà, là-bas. On va y aller. Ils sont agressifs? Non, ils sont pas agressifs, j'ai cru, il se passe un instant. Ça m'a choqué, grimper, hop, vas-y grimpe. Oui, c'est serré de ses bras, donc c'est bien pour un jeu. Excusez-moi, ça aurait été... Je vais pas vous piquer votre moto, mon bon ami. Sélection de mission. Non, j'ai pas envie de faire de la mission pour l'instant, comme je l'ai dit, chers amis, on va simplement... essayer de faire de notre mieux pour rejoindre ce point de fumée. Il y en a même un juste à côté qui est beaucoup plus proche. Oh là, il est fatigué le mien. Qu'est-ce que c'est que ça? Hop. Donc si un véhicule fait une si petite... C'est quoi, des patates? Des patates. Fait une si petite fumée. Oh merde. Bon, c'est dommage. Qu'est-ce que c'est qui a fait cette grosse fumée? Et il y a un truc à droite. Ça tombe bien parce que j'ai besoin d'un véhicule. Merde, on a de la compagnie. Ils m'ont pas vu. Oula, ça tiroille. J'en vois un autre. Quoi? Qu'est-ce que t'as vu? Oh, j'ai fait un two-shot. Oh, trop de talent, okay, chers amis. Merde, on a des types du cartel sur les bras. Sur les bras? Ah bon? Qu'est-ce qui nous est arrivé? Qu'est-ce qu'on a fait? Ils sont morts, hein. Y a pas de problème. Je suis désolé, mon ami, j'ai pas réussi à te sauver. De toute façon, vu ce qu'ils t'ont fait, je pense que t'aurais pas forcément apprécié survivre. Alors apparemment, on a des trucs disponibles. Batterie, ah, batterie est disponible, ça m'intéresse. Oui, j'aimerais acheter la batterie, s'il te plaît. Hop, merci. Pour quelqu'un à récupérer ses marchandises. Et nous, on va prendre le véhicule, chers amis. Je me suis trompé, j'ai sorti mon arme, c'est ça? Oui, c'est ça. Ok, bon, on prend le véhicule et on va aller voir cette fumée. Deux secondes, je prends le volant. J'y suis, allé en route. Non, non, on va pas prendre le volant. J'ai vu un truc bien plus intéressant là-bas, qui me permet de m'y rendre plus vite encore. On a de la compagnie, tenez-vous prêts. Force de l'unidad, ennemi doté d'un équipement standard. J'ai repéré un autre ennemi, j'envoie un troisième. D'accord, je vais envoyer quand même mon drone pour m'assurer qu'il n'y ait personne d'autre. Ils font quoi poser dans le champ? Ils font rien du tout ou ils font quelque chose? Ok, bah écoute, je le ramène. Alors, c'est bien, c'est que si on ramène le comment le... Hop. Crac. Alors.
Donc ça c'est pour changer le viseur. Mobile vers position. Ok. Je suis prêt, quand tu veux. T'es prêt? Parce que c'est maintenant. Ennemi à terre. Voilà, parfait. On a pu gérer la situation, chers amis, ce qui est assez cool. Vous revenez dans la zone d'opération. Ah! D'accord, donc je sors de la zone, en fait, littéralement. Donc je balise le matériel, ce sera fait. Donc je pense que c'est la zone de mission, en fait, littéralement. Je peux... Non, je voudrais piloter, justement. Ça ne te dérange pas, j'aimerais piloter. Hélicoptère Unidad, vas-y. Conduire. Voilà. Allez, montez à bord, les mecs. C'est moi qui pilote. Ok. Allez, monte. Parfait. Est-ce que ce sera mieux à la manette? Je sens déjà que oui, honnêtement. Hop. Hé hé. Hop. Oh là, il y a plein de fumée d'ailleurs. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, c'est un village ennemi. Excusez-moi. Je commence à aligner ces fumiers. Excusez-moi. Excusez-moi. Je sais exactement où est-ce que je vais me poser, cela dit. Hop. Arrête de tirer. Oula. Oui, ils ont tiré avec quelque chose d'un peu plus gros que ce que je pensais. Mais ce n'est pas grave. On va essayer de se poser dans le coin. En douceur, Marcus. Ok. On peut sortir. On est posé, si on veut. Envoyez un... À quoi? Renfort en approche, appui aérien. Quoi? Hélico en approche. Encore d'autres cibles, les amis. Oh la vache. Ils sont d'une précision à toute épreuve. Même à bord d'un hélico, si je puis dire. Oh la vache. Oh la vache. Ouf. Ah oui, c'est des malades mentaux. Merci les filles. T'es sérieux, tu m'as vu là? Oh la vache! Ah d'accord, donc s'il y a deux morts trop rapides, on meurt complètement. Mort au combat, d'accord, ok. Intéressant, intéressant. Ils sont super balèzes les hélicos, et clairement je n'ai pas l'équipement pour. Vision thermique pour mieux repérer vos ennemis de jour comme de nuit. Par contre la vision thermique, vous voyez, elle est pas affichée. Étrange. Ok, parfait, donc on est là. Est-ce que ça veut dire qu'on est juste au-dessus du camp? Parce que si c'est le cas, en fait, limite, ça m'arrange. Hein. Apparemment, c'est le cas. Hein. Mais écoutez, on va essayer de se faire ce camp. Mais je suis surpris par la capacité des ennemis à être aussi précis. Bon, après, on n'est pas en niveau difficulté facile ni normal. Hein. Donc... Ce qui est rigolo, c'est que d'ici, en fait, je ne vois personne en plus. Je vais envoyer le drone, on va voir s'il peut aller assez loin. Je suis hors de portée. Ouh, c'est un... Non, je suis hors de portée ou c'est autre chose? Je suis hors de portée, apparemment. Ouf. Je vois des cibles que je ne suis pas censé voir, à mon avis. Hein. En tout cas, que je n'ai pas moi-même repéré.
Ok. Pourquoi pas, si je puis dire. Là est la 5. Ok, bon, je le récupère. On va essayer de descendre petit à petit, hein. Hop, ouf, le mec il arrive à faire une roulade arrière. Ok. Terrain accidenté, attention. Je rêve ou je me suis pris un éclairage dans le nez aussi. Hop. Allons-y. Apparemment, il y a moult ennemis dans le coin. Sicario en visuel, juste à côté de l'église. Sicario. Je vais les pointer avec la. Je vois une cible avec des pistolets mitrailleurs. Ok. D'accord, ça va être un gros campement, hein, je veux pas dire, mais. Là, il y a un pendu. Il y a des mecs sur des poteaux. C'est quoi ce bordel? J'en vois 10. Ouf, 10 ennemis. C'est la violence. Nous sommes sur le P. Le problème, c'est que le zoom est pas magique là-dessus. En plein dedans. Là, on les a énervés. Ah, mais ils savent pas d'où. Ils nous ont vus. Quoi? Un de plus? T'as de la chance, toi. Et qu'on approche. Quoi? Cible abattue. Hop. Dans le feuillage. Que ça marche seulement. Est-ce que ça marche seulement dans le feuillage? Cherche toujours, t'as raison. Continue à chercher. C'est très très bien, ça m'arrange. 176 mètres, il se rapproche quand même. Ah ah. Je t'ai quand même bien niqué. Hop. J'arrive pas à savoir où est-ce qu'il est précisément en fait vis-à-vis du truc. Ah, c'est chiant. J'ai presque plus de balles là-dedans en plus. Ah, il est chiant. Il m'empêche d'être à découvert. Hop. Il me voit de là. Genre sérieux. What? Ouais, alors ça je trouve ça moyen. Tu me diras, je les vois de là aussi, mais. C'est ça qui compte aussi, mais. Ok, bon bah pourquoi pas.
apparemment ils te voient pas quand t'es au sol. En tout cas, c'est ce que je crois. L'hélico a pris cher, cool. Cool, cool, cool. Par contre, on est en panne de balles. Hein. Je ne veux pas dire. Et moi, je suis complètement en panne. Hein. Bordel de bite à queue. Bordel de bite à queue, mais qui les con. Oh la vache, ils me font mal. Ils me font très très mal. Où est-ce qu'ils sont? Putain, ils sont au sol. D'accord. On va rigoler deux secondes. Bras de lancer. Vous pouvez m'asseoir celui-là, s'il vous plaît? Bon, c'est bon. Merci. Oh la vache, il est solide celui-là. Il est solide aussi. Hein. Il est solide aussi. Moi aussi, tu me diras, je le suis, mais. Essayons autre chose. Apparemment, j'ai personne avec ça. Oula, l'autre m'a mis une belle balle. C'est bon, lui je l'ai eu. Putain, il est bon. Ah, il est très très bon. C'est extrêmement dur. C'est extrêmement dur, chers amis. Je suis surpris. Je suis surpris. Enfin bon, c'est pas plus mal. Honnêtement, c'est pas plus mal. C'est extrêmement dur. Enfin, pas dur, mais... ça réclame beaucoup plus que ce que je pensais. Donc, on va pas attaquer comme ça. Voire même, on va pas l'attaquer du tout. Malheureusement. Ah oui, d'accord, c'est un gros avant-poste que moi je me dis, tiens, je vais aller m'attaquer comme ça, on verra bien. Ou alors c'est ça que j'attaque. Bah non, c'est pas ça que j'attaque. Ça y ressemble pourtant. Santa Maria. Bah, j'ai envie d'aller là, tiens. Vu qu'apparemment il y a un coffre. On verra bien. Ah oui, ce qui me fait penser que j'ai oublié un coffre d'armes aussi. Hop. Voilà la route. Ok. Ok. Parfait. On est bon. Ouf, oui. Non, ça c'est personne. Lui, il est rentré dans la maison ou il est sorti encore? Je vois un narco du cartel. Tu les situes où? Près de la pile de pneus. Près de la pile de pneus? Bah oui, je le vois bien aussi. Hop. Hop. Tu veux, chef. En plein dedans. Et lui, il a rien vu. Ok, ça va, on est tranquille. Il y a le drapeau qui m'empêche de viser. Il voit pas ses copines là. Oh là, il y a haut. Il y a carrément haut. Là, je peux passer. Hop. Ça permet de récupérer leur jeep au passage. Hop. Hop. Hop, j'ai envie d'essayer un truc.
C'était si solide que ça, le bois, là? Ennemi abattu. Oh, putain, y a quelqu'un d'autre. Oh la vache! Oh, il m'a fait mal. Je l'ai pas vu. Je sais pas si vous l'avez vu. Vous l'aurez sûrement vu parce que vous êtes tellement forts, chers amis. Mais moi, je l'ai pas vu du tout. Waouh! C'était génial. J'adore ce jeu. Ce jeu est extrêmement punitif, mais j'adore. J'adore. Et par contre, vous l'avez pas buté. Si? Putain, c'était juste. Où il est planqué derrière? Vous l'avez eu ou pas? Bon, apparemment. Et donc, c'était juste une petite base comme ça, d'accord. Et j'ai réussi à y mourir. Bêtement. Là, par contre, je peux pas dire, mais il y a méga haut, Marcus. Tu vas pas faire le con. Tu gaspilles tes balles aussi, c'est stupide. Ok, on y va. 4-4 Santa Blanca. Donc ça, en fait, oui. Le Santa Blanca, c'est bien la faction. Et apparemment, je peux passer inaperçu dans certains de ces véhicules si c'est pas trop près. Donc on va en profiter un petit peu. Hop. Non, pas de radio. Malheureusement, la radio, chers amis, m'a flag la première. Oula. Pourquoi tu mets... Hop. Ah d'accord, en fait, j'ai pas à suivre la caméra. La caméra suit toute seule. Ok, oula, petit lag. Allez comprendre. Hop, parfait. On s'en sort plutôt bien. Oula, lui par contre il est là dans chien, en bécane, dans la merde. Oula. Tout le monde est prêt? Feu! Compris. Tire libre, tire libre. J'ai voulu foncer dedans, mais j'ai pas réussi, apparemment. On s'est fait griller, faites gaffe. Non, tu crois? Ennemi à terre. Allons-y. C'est un site de religieux, c'est pas grave. Je roule. Tout ceci est une affaire qui roule. Ok. Parfait. Je crois qu'on a récupéré la planque. C'est bon, tout le monde va bien. Qu'est-ce que c'est? Une médaille de la Santa Blanca. Ça fera un souvenir sympa. C'est un point de compétence donné. C'est presque cool. C'est presque cool, effectivement. Arme, visée stable, d'accord. Lance-grenade, capacité en munitions. Destruction de véhicules, d'accord. Juste pour voir, c'est quoi ça? Augmente les dégâts infligés aux véhicules ennemis. Ah, ça va être intéressant, ça vis-à-vis des hélicoptères. Supprime le malus de dégâts, visée rapide. Rétention, réduit le délai de visée, d'accord. Oh là là, il y a plein de choses, chers amis, il y a plein de choses. Endurance, même pas mal, vitesse de réanimation. Rebelle entraîné, les rebelles libérés combattent plus efficacement. Tire synchro plus 1, ça c'est cool. Délai de réanimation, alors, dernière chance. Compétence Elite, j'avais pas vu ces machins là. Waouh, régénération rapide. Rayon d'explosion. Soin. La charge du drone permet de réanimer un coéquipier activé dans l'équipement, d'accord. Obtenez le premier rang dans toutes les compétences, d'accord. Expert longue portée. Oh, ça va être cool. Vivement que j'ai un sniper dans le jeu. Quand j'aurai un sniper, je serai tout puissant, littéralement. Mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Ok, bon, on a pu faire ça. On va visiter un petit peu l'endroit, parce que vous voyez, c'est quand même très 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 joli. Et moi, j'aime bien ce genre de petites choses. Apparemment, il y a plein de petites choses aussi à récupérer dedans, ce qui est assez cool. Enfoncer la porte. Bonjour. Baliser le matériel. Vas-y. Hop. On va indiquer aux rebelles où trouver 10 compétences disponibles. On l'ascenseur plus tard. Équipement. Je n'ai pas accès à d'autres équipements. En termes de fusil d'assaut, vous voyez qu'il y en a un bon paquet. Alors, dont certains qui ont une espèce de forme. Donc, AK-47 de madame. AK-47 de monsieur. Donc, ça doit être des armes qui doivent être. Voilà, regardez. Éliminer Yuri et Polito pour débloquer le 47 de monsieur et de madame. Accéder à Ubisoft Club, d'accord. Donc, c'est. Alors, juste pour. On va quand même aller les voir. Ouais, d'accord, bon, c'est juste un truc avec un... Ok. El Comandante. Il est joli. Éliminer le gâteau. Le gâteau. Il est sublime. Ok. Ritmo. Joli, effectivement. Le lama. Oh, il est en or avec le bord, la queue. Ok. Mitrailleuse légère. Ça m'intéresse pas, les mitrailleuses. Je suis pas fan des mitrailleuses. Fusil de sniper. Voilà, ça m'intéresse beaucoup plus. The Warhawk. Ah, oh, il est magnifique. Ah, oh, il est sublime. Lanza Sagrada.
D'accord. C'est une base Dragneuf, ça, non? Je me trompe pas. Il me semble. Il est joli. Il est joli. J'aime beaucoup. Oh, puis regardez ça. Et la tache de sang et le baiser, juste ici. Ah, ils sont tous magnifiques. Bon, ça, c'est moins mon style. Moi, j'aime bien les fusils classiques. Et ça, par exemple, là, c'est un peu mieux. Ça, c'est parfait. Ça, j'adore. C'est quoi les premiers? Oh, c'est à verrou, ça. Non, même pas. Ah, j'aurais juré. Si, voilà, c'est à verrou, c'est bien ce qui me semblait. Ah, oh, ça va être cool. Ça va être tellement cool. Fusil à pompe. Super shorty. C'est quoi ce truc? Ah, oh, d'accord. Ok. Silencio. Ouais, j'imagine que ça, quand tu le dis, le vieux silence. Tout le monde le fait, quoi. Il apporte le silence. On va dire ça comme ça. 10 compétences disponibles. Dis donc, c'est pas qu'un peu. Parachute, zoom jumelle, mine, grenade de diversion. Mine, d'accord. Zoom jumelle. Zoom maximal plus 25%. Mais elles sont pas disponibles, celles-ci. Ah si, les deux dernières sont disponibles, d'accord. Même pas mal, vitesse de réanimation. Pour l'instant, ça m'intéresse pas plus que ça. Verrouiller, 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 d'accord. Terminer les missions secondaires, d'accord. Mortier, diversion, repérage. Oh, intéressant. Donc on pourra envoyer des gens. Ça, c'est cool. Ça, c'est cool. J'aime bien en fait le fait que ce soit assez réaliste dans l'ensemble. Bon, vous me direz après des fois des. C'est quoi ça là-bas? Alors regardez, j'ai découvert ça aussi tout à l'heure. Je peux, voilà, mettre ça par exemple. Et regardez, zoomer sur les endroits. Et par contre, je sais pas à quoi ça sert à déployer. Mais il y a certains points d'intérêt qui ont un point d'interrogation. Voilà. Ou alors celui-là, on le voit pas, mais. Vous voyez, je peux, voilà, par exemple, le scanner et m'y déployer. Je pense que le déploiement, en fait, ça correspond à... on va essayer, de toute façon, on va essayer là-bas. Déployer. Voilà, c'est bien ce qui me semblait. C'est le déplacement instantané. Bon, c'est un peu dommage. Je reconnais que là, c'est un peu dommage. Mais je sais que j'ai une caisse d'armes à aller récupérer là-bas. Du coup, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Normalement, elle est juste derrière le van, vous allez voir. Allez, juste là. Et donc, avec une arme dedans. Là, une caisse d'armement. On va bien voir ce qu'il y a dedans. Hop. Prendre l'équipement. Et dedans, on y trouve. On y trouve le bonheur, chers amis. On y trouve tout simplement le bonheur. Non, j'aimerais. On a quoi? D'accord, dégâts faibles, dégâts un peu plus faibles, mais. Ouais, celui-là est très très bien. Ah, celui-là a une meilleure portée. Enfin bon, en termes de portée, rien ne surpasse un sniper. Du coup, on a récupéré cette arme-là. J'aimerais la modifier. Modifier avec X. Pièce. Lunette. Donc je n'ai qu'une lunette pour l'instant, forcément. Semi-auto seulement, d'accord. Donc ça, en fait, c'est le chien. Ce qu'on pourrait appeler le chien. En tout cas, c'est l'impacteur. Chargeur standard. Donc agrandi avec 20. Alors, sachant que ça modifie aussi visuellement l'arme. Hein, vous voyez, il y a des canons courts, canons longs, canons standard. Regardez la maniabilité, les dégâts, la portée, tout ça. C'est magique. Bouche silencieux, forcément. Bouche d'usine. Non, je préfère mettre un silencieux, moi, dessus. Mais alors là, c'est la fête. Là, c'est véritablement la fête. Il n'y a que 40 balles dans le chargeur, mais c'est le bonheur. On en est où dans les amis? On est à, précisément, 28 minutes. Donc, on a encore beaucoup de temps devant nous. Je compte faire un épisode à peu près d'une heure, entre 1 heure et 1 heure et demie. Donc là, il va y avoir du sport, hein, comme on dit. Hein. Donc, on est là. Il y a Kotani, là-haut. D'accord. Mais finalement, Kulta... C'est bien Kulta, hein. Peut-être Kulta que je vais aller attaquer finalement. Si je passais une balise. Je peux pas placer une balise ici? Il veut pas. Il veut pas que je place une balise. Donc ça fait chier. Donc on va y aller à la main, si je puis dire. On va descendre au sud. Ici. Ici, je veux bien y aller, il y a un coffre. Oh, peut-être qu'avec un peu de chance, on va non, peut-être pas la ligne de sniper n'est pas si bonne. C'est pas possible. Mais j'y étais il y a 2 secondes. Oula, c'est sensible le sniper. J'y étais il y a 2 secondes, c'est là que j'étais il y a 2 secondes. Non? Ah, je sais, j'aurais encore pu prendre une bagnole. Quoique, il suffit de traverser là pour le coup. Hop. Crac.
Moi j'aime bien balader dans la verdure parce que je trouve qu'elle est sublimement bien rendue dans ce jeu. C'est vraiment superbe à regarder quoi. Regardez-moi ça, regardez ça. Oh là 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 là. Bon, par contre, clairement, ma tenue n'est pas adéquate. Je les vois nulle part. Dans le cimetière. What? Je croyais que j'avais fait le ménage. C'est pas le bon endroit. Bonjour. Bonjour. Hop, à tes mains, merci. Drone. On va aller spotted. J'en vois un qui se trimballe avec des pistolets mitrailleurs. Si, c'est là que j'étais. Je désigne un capitaine. Oh. Je suis en position de tir. Pas moi, j'arrive. Bonjour monsieur. Je vais me mettre là-bas sur le caillou. En tout cas dans l'herbe à côté. Mais si j'y étais il y a 2 secondes là. Pas possible autrement. Alors, je sais pas à quoi ça correspond les différentes couleurs. T'es prêt? Parce que dans 3, 2, 1, c'est parti. J'ouvre le feu. C'est tout près. J'espère qu'ils sont pas deux là-bas. Non, il y a personne dans le clocher. Oh putain. J'en ai eu un. Merde. Merde, je suis mauvais. Bon par contre... Oh la vache, il est très très lent à tirer, c'est presque très bizarre. Ennemi abattu. J'attaque. Mais vas-y. Merde. T'as rien tiré. Bah tire. Acquisition. C'est bon. Tire ? Non ? Bon bah écoute. Hop, je suis déçu de m'être fait avoir. Mais c'est vrai que j'ai pas. Allez, on fait le ménage et on avance. J'ai perdu l'habitude des manettes. Oula. Y'a des gens. Ils vont nous tomber dessus dans pas longtemps. On fait quoi ? Ils sont où, précisément? Alors je crois qu'en fait ils sont plus ou moins dans la région rouge. Putain, il est là. Vache, ah oui, mais l'autre il est sorti de nulle part. Je savais pas du tout ce qu'ils étaient deux en fait. Je pensais qu'il en restait plus qu'un. Merci l'ami, c'est toujours sympa. Par contre, j'ai perdu l'autre de vue. On y va. Plus de raison de faire dans la dentelle. Oh là. C'est quoi ce véhicule blindé? Cible abattue. Voilà. Ok, on s'en tire bien. Problème résolu. Ok, donc je pense qu'on les a tous eus. Alors qu'est-ce que j'ai laissé? J'ai laissé quelque chose, c'est la même ou c'est pas la même? Ça ressemble à être la même, hein, je veux pas dire, hein, mais là. Enfoncer la porte, je connais parfaitement l'endroit. Mais oui, c'est la même. J'avais juste laissé ça en fait. On déploie une balise. Les rebelles enverront quelqu'un récupérer la marchandise. Prendre des munitions. Renfort, on approche. L'ennemi reçoit du renfort. Ah, oh, j'aimerais tellement pouvoir grimper là-haut. Ah,
putain de merde. Ouais, c'est un truc alors. Vague lancée, comme une merde à couler rose. Le capitaine est mort. Ok. Pff, Weaver qui va en mode Schwarzenegger guerre. Mais non, on a gagné, c'est ce qui compte. Et on a un super véhicule maintenant. Un 4x4. Ok, maintenant qu'on a fait ça. Moi, j'ai envie d'aller là. Désolé. Venez. Comment t'as pensé à ça ? Merci pour le compliment, DJ Perry. Non, me parle pas à la radio, s'il te plaît, ça m'intéresse pas ce que tu me dis. Ok, on y va. Allons-y, allons-y. Hop. Apparemment, on va passer à côté d'une base ennemie, enfin d'un lieu de vie ennemie. Voilà. Ok, vous voyez une différence avec ou sans les phares, vous ? Oh, lui, il l'avait pas vu. Hop. Dommage qu'il n'y ait pas de... de seconde vue, vous savez, de vue... mais là, c'est là où... Non ? Si, c'est là où j'étais il y a deux secondes, non ? Ça repop, d'accord, intéressant. Bon bah, c'est presque un peu dommage que ça repop d'ailleurs. Vous êtes sérieux, vous faites... D'accord, bah écoute, je veux bien baliser ce matériel, ça va être très rapide. Hop, merci. Et j'essaie de grimper sur ce caillou, ça m'intéresse. Là, du caillou, je peux avoir tout ce que je veux, hein, y a pas de souci. Hein. Alors par contre, on va passer en vision nocturne. Et on va envoyer le drone. Crac. Il a pas la vision nocturne ? Il a pas la vision nocturne, d'accord. Je vois une cible avec des pistolets mitrailleurs. Jamais 203. Le sniper est revenu, d'accord. Avec lui, ça fait 5. J'avais compté 10 la première fois. Pour ceux qui s'en souviennent. Oh, ça devient vraiment sombre. On le rappelle. Permet, je peux prendre mon fusil. Je sais pas s'il parle à quelqu'un ou s'il se fait royalement chier en fait. Arrête de bouger. Arrête de bouger. Ennemi abattu. Mets-toi en place, s'il te plaît, assez vite. Pas rien tiré. Parfait. Ok, on peut souffler. Lui, je sais pas où est-ce qu'il va. Ça m'inquiète. Hop. Ok, ça se passe très très bien tout ça. J'essaierais bien d'avoir les deux en même temps, mais je préférerais garder. J'ai repéré un sicario, solo, juste à côté de la pile de pneus. Juste à côté de la pile de pneus. On va envoyer un drone. Je sais pas s'il va voir grand chose le drone, cela dit. Parce que moi-même je vois pas grand chose. Ok. Bon bah tant pis, je considère qu'il y avait rien finalement. Hop.
Arrête-toi. Ennemi abattu. Ok, je pense que dans cette région-là, je suis pas trop mal. Point de compétence acquis, c'est très très bien. Ok. J'aimerais essayer d'atteindre ces distances. Oh putain, il a repop, c'est pas possible. Il devrait y avoir un cadavre justement à ta place. Ennemi abattu. Ouh. Parfait. Ok. J'ai un sicario par là. Là, près des ruines. Tu t'es fait griller, fais bien attention. C'est mes potes qui se font griller, c'est pas possible. Là, on les a énervés. C'est mes potes qui se font griller. Go. Merci, je tiens la position. Cible marquée, paré à l'attaque. Ils savent qu'on est là, faites attention. Non, moi j'ai pas été repéré du tout, moi. Pas de soucis. J'ai pas été repéré, moi. De sérieux là? Les mecs ils savaient où me chercher? Je tire. Hop. Bah alors. Je sais pas ce que ça veut dire le clignotement à la con. Sors ta tête, qu'on rigole. D'accord, ok. Tout le monde est prêt? Feu! Reçu! Go! En position, feu! Ils arrivent. On fait quoi, chef? Ennemi abattu! Un de moins. D'accord. J'aime pas le principe de rougeur là partout. Ça me fait royalement stresser. Putain de mes couilles. Voilà. C'était quoi, c'était ma jambe? Non, c'était la sienne. Bien joué, bien joué, bien joué. Le jeu est dur, le jeu est comme ma bite. C'est la dèche. J'aurais bien aimé le voir en fait, celui-là avant. Mais c'est vrai que j'ai vu, j'ai pas entendu non plus pour autant. Vous l'avez abattu avant de me remonter le moral? Parce qu'en fait, ça serait bien du coup que vous restiez avec moi. Bien compris. Finalement, je dis pas non. Il y en a encore un sur place là-bas. Il y en a un qui monte. Non ? Il y en a un qui semble être juste devant nous en fait. Si on suit la rougeur.
Où est-ce qu'il est? Putain, il est là-bas. Il est mort. Lui aussi. Ok, parfait. Moi, je continue. J'avance, chers amis. On peut pas se laisser abattre. Comme on dit. Sniper, tout le monde à plein ventre. Où ça? Hop, j'ai eu le snipe. Ça a chié de tous les côtés. Ouais, je te le fais pas dire. Ok, on est bon. On descend. On a récupéré la... l'endroit. Je sais pas si c'était utile à quelque chose. Apparemment, il y avait rien dedans, mais bon, c'est pas grave. J'aurais bien récupéré son, ce n'est pas l'autre du cul, cela dit. Hop. C'était quoi? Ah, c'est le même que le mien, d'accord, ok, pourquoi pas. Hop. Bon bah du coup, voilà une bonne chose de faite. Ça n'a servi strictement à rien apparemment. Mais voilà une bonne chose de faite. Ah, attendez, il y a un cadenas ici. Dis-moi que oui. Oui. Utilité. Excellente question. Boire du pinard. Même pas. Bon, d'accord. Tant pis, j'ai aucune idée de l'utilité de cette chose. J'ai fait quelque chose, je sais pas trop pourquoi. Enfin, c'était, je sais que j'ai fait pour le fun. Mais je m'attendais à ce qu'il y ait plus de choses dedans, en fait. Et apparemment, non. Enfin bon, on a réussi à la gérer, c'est cool. Ok. Toi, t'avais laissé quoi comme flingue? Oh bah dis donc, il était sur un truc avec une SMG lui. Ok, ah il y a du verre là-bas. Bonjour. Comment ça va les petits cochons? Ok. Hop, franchi. J'ai une caisse d'armement en visuel. Ah, ça c'est de la bonne nouvelle. Prendre l'équipement. Poignée verticale. Remarque si ça peut augmenter légèrement. Moi je pense pas. Peinture prédéfinie. Ouh. Hop, moi je veux bien, hein. Personnellement je veux bien. J'imagine, oui je peux, non je peux pas avoir de, d'accord. État des factions, d'accord. Ouh. Niveau actuel, Ghost Cat, d'accord, ok. Déstabilisation du quartier actuel, 0%. Présence actuelle des forces rebelles, 0%. Niveau de patrouille actuel, 0. Ok, c'est intéressant tout ça. Carte tactique, salon. Alors le salon m'intéresse pas plus que ça, hein, parce que je jouerai principalement en solo, chers amis. Et encore un coffre. Alors, est-ce que ça veut simplement indiquer la planque? C'est possible. Ok, bon, pourquoi pas. Maintenant qu'on a fait cet endroit-là, on va se mettre au point le plus haut, j'imagine, sur... sur ce caillou, finalement. Et on va scanner la zone à coup de... truc de ce genre-là. Non, y'a rien, pour l'instant. Ok. C'est pas ce que je voulais faire. En fait, le problème, c'est que j'ai les touches de Watch Dogs dans les mains, chers amis, en fait. Donc, moi, ça me crée des problèmes. Ouh. Non, je croyais que ça me semblait gros comme bagnole. J'étais heureux l'espace d'un instant. Bah, écoutez, on va la conduire. On va faire monter tout le monde dans la berline. Attachez vos ceintures. Allez, filles, on y va. Et on va y aller en mode en vrai. Hop, sans la vision nocturne, oh la vache. Et ça va être mortel. Littéralement mortel. Hop. Hop, c'est par là. Oh la vache, elle tourne pas. Comparé aux autres, elle tourne pas. Nous descendons. Apparemment, il y a un point ici qu'on ne connaît pas. Un lieu inconnu. Là, il y a une base. Partie ouest d'Itaqual. Là, il y a Panjota. Là, il y a une quête, apparemment. D'accord. Et là, il y a plein d'autres choses qu'on ne connaît pas. Ça, c'est quoi? Mission principale. D'accord. Ok, intéressant. Ça m'intéresse, tout ça. Ça, c'est quoi? Pour débloquer de nouvelles missions en Itaqual. D'accord. D'accord, ça, c'est les missions, en fait. Comment débloquer des nouvelles missions? Et ça, c'est quoi, là-bas? Oh, des intels secrets. Ça m'intéresse. On va se déployer à Itaqual, Ico. Et on va remonter et aller chercher cette information. Ça m'intéresse, ça m'intrigue. Je veux absolument tout savoir de ça.
On est déjà à 50 minutes de vidéo, je sais pas combien de temps ça va mettre à uploader cette vidéo-là, mais ça va être violent, à mon avis. Mais je m'en contrefous, chers amis, c'est pour vous que je le fais. D'ailleurs, je devrais peut-être être en train d'uploader le reste des vidéos, enfin le début des vidéos. On verra, je vais peut-être les uploader en avance. Par rapport à l'habitude, habituellement, je les mets à uploader vers 3h du matin, parce que c'est à l'heure à peu près à laquelle je me couche suite à mes montages, mais... Oula, qu'est-ce qui s'est passé? Il a crash? Non, non, il a pas crash, j'ai cru. Ma faute. My bad. Excusez-moi, c'est moi qui étais en train de faire des conneries. Ok, bon, bah, ça se passe pas si mal. Hop. T'es vraiment froid, toi. Ouais. Elle était pas chaude. Ok, bon, on est de retour. Ça, c'est la bonne nouvelle. Notre objectif est là-haut. Sachant qu'on a un point de contrôle ici. Contrôle de la route. On va commencer par ça. Je pense, hein. Ça pourrait être pas mal. Ensuite, on ira voir l'autre endroit. Hop, je range mon arme et on y va. Montez tous dans le minibus. Il est beau, il est magique. Oh, c'est bon, on le prend pas mal. Le prend pas mal, te dis-je. Voilà, merci. Hop, c'est parti. C'est le plus beau véhicule du jeu. Mais non, je rigole. Il y a tellement mieux. Il y a des supercars dans le jeu, chers amis. Je crois même qu'il y a une hypercar. Alors, attention, il faut différencier supercar et hypercar, chers amis. Oh, je viens de péter le mur. Oh, ça, c'était stylé. Enfin, je veux dire, non, c'était pas stylé, mais enfin... Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Attention, on se planque de la bagnole qui passe. Ok, parfait. On a été repéré. Par qui, par quoi? Ouais, feu à volonté. Bien sûr, je planque ces fils de pute. Ah bah tiens, c'est une supercar justement. Merde. Tiens, regarde, bouffe. J'avais pas vu un truc pareil depuis le Moyen-Orient. Des sacs de sable, des barbelés, des miradors. Les rebelles ont l'air de bien faire chier à Santa Blanca. Apparemment, c'est lui. Les du cartel se doutaient pas qu'ils allaient scoltiner des snipers. En des poignée. Explosifs. Bonjour. Le karma est vraiment le roi des coups de pute. Interrogé. 5 secondes pour me dire ce que je veux savoir. Localiser des. Location des points de compétences. Améliorer le raid. Le matériel en quantité. Les raids réussissent, d'accord. Belle améliore les compétences d'appui. Tant qu'à faire, je préfère ça. Ok, calme-toi. C'est pas tous les jours qu'on peut détourner un hélico de ravitaillement. Qu'est-ce qui s'est passé? Raid logistique. Mener des raids aussi pour gagner du matériel en grande quantité. Utiliser les. Localiser. D'accord, ok. Intéressant. Du coup, j'ai 3 raids logistiques disponibles. Un ici, en flamme. Oh, c'est bien fichu. J'aime, chers amis. Si vous saviez comme j'aime. Ennemi tué après reddition. What? Je l'ai pas voulu le tuer. Bon bah écoutez. Je prendrais bien sa bagnole pour la forme. Oh là! Non! Avancez sans moi. Non, jamais. J'aime trop ce que je vois en face. C'est quoi cet endroit? Ah merde, j'ai pas le droit d'y aller. Quel dommage. Ok, conduire le minibus, on va aller directement à Kotani. Qui semble être une ville. Bien glauque. Tu montes ou pas? Je suis aveugle. J'ai plus qu'un phare ou quoi? Hop, allons-y. Oui, je passe par là. Merde, c'était pas prévu ça, la flotte. Je passe par là, chers amis. Pourquoi? Parce que je veux m'assurer de pouvoir passer partout. Surtout d'avoir une bonne visibilité en tant que sniper, tout simplement. Et bon, si ça continue comme ça avec des falaises et autres autres montagnes et roches, je suis pas dans la merde. Parfait. Ça c'est parfait. Alors je me demande si je peux. On va essayer, chers amis. Hop, descends. Mais c'est... Non, ça ressemble plus ou moins à là où j'ai attaqué tout à l'heure. C'est dans ma tête, apparemment. Là, par contre, le soleil se lève. Je suis trop loin?
Apparemment, je suis trop loin et le jour se lève. Ok. Donc on descend, c'est pas grave. Mission, convoi alimentaire à proximité. Convoi alimentaire. Il est où? Merde, je suis à pied, fais chier. Activité ennemie sur zone. Non, c'est pas la peine. J'ai pas les bons véhicules, et j'ai pas les bonnes armes. J'ai pas de véhicule et j'ai pas les bonnes armes. Par contre, les mecs... Quel con. Je cherche le... Voilà. Rassemblement. Vous êtes où? Là. Rassemblement. Bien compris. Allez. Et vous tenez la position. Bien compris. Ok. Oh, putain, il s'arrête dans la... Non. Non, il s'arrête pas. Putain, si... Non. Non. Ok. Parfait. J'approche un max. Hop, je me couche. Drone. Il y a un ennemi au milieu d'un groupe de civils. Quoi? Si c'est des civils. Oh, j'ai envie de faire un truc rigolo. Des infos dans le coin. Oui, t'inquiète. On va en trouver. Aïe. Excusez-vous. Qu'il est dans la maison. What? What? C'est pas ce que je crois. On me parle apparemment. J'espère que c'est pas à moi. Parce que ça veut dire que des gens me voient en fait, si c'est moi. Par contre, oui, ça m'intrigue ce que je viens de voir dans le bâtiment. Ah non, c'est un mec qui dort tout seul. Je croyais qu'il y avait quelqu'un avec lui, je commençais à me poser des questions. Il y a personne autour. Hein. Autrement dit, je peux... Oula. Bonjour madame, vous faites quoi les poubelles? Il y a des... En fait... D'accord, ok, il y a juste plein de gens. Et à côté de ça, il y a... Oh là! Hola señorita, muy bonita, hey! Yo te respecto enormemente. Bonjour madame. Allez. Apparemment, je peux pas lui parler parce que je suis pas assez près. Hop. Hola amigo. Vous avez des infos juteuses concernant le cartel? Gracias, bonne chance. Bonjour. C'est un emplacement de points de compétence. Oh la vache. D'accord, ok, ça c'est cool. Bon maintenant. Te fais pas de mal mon pote, te fais pas de mal. Hop. Allez, on sort la pistole. Qu'est-ce que tu fais toi? Tu feras rien. Tu feras plus rien maintenant. Alors? Ça fait quoi? Ok. Ça c'est fait, chers amis. On est bon. On est même très très bon. On va dire à nos potes de revenir. Regroupement. Reçu. Mobile. Hop. Si on file ces marchandises aux rebelles, on sera dans leur petit papier. Crac. Je vois pas d'autres ennemis dans le coin. Cela dit, il m'arrive de me tromper. Oh, está bien, y tú?
Está bien. Et tout. Je vais pas te faire de mal. Je vais pas te faire de mal, Léo. Calme-toi. Hop. Ah, par contre, là oui, effectivement, il y a de quoi flipper là. Je pensais qu'il allait y avoir des choses intéressantes. Excusez-moi, madame. Je vais pas vous faire de mal, vous inquiétez pas. Cassez pas tout dans la maison, s'il vous plaît. Là-bas, je vois une antenne. Antenne relais, mais je vais pas avoir le droit d'y aller, je pense. Ah, effectivement, je pense pas que j'aurai le droit d'y aller. Je vais quand même la scanner. S'il y a moyen. Apparemment, il n'y a pas moyen. Donc, pour l'instant, j'ai pas le droit d'y aller. Ok, on va aller là. Intel critique. Allons-y, allons-y. On est à 1 km de la cible. Il me faudrait par conséquent un hélicoptère. Effectivement, j'avais pas vu ça. Ok, on y va. Crac. So, if you're lonely... Il y a un sniper là-bas. Non, tu ne m'as pas vu, t'inquiète. J'en vois un autre. Ennemi numéro 3. Ok. Oh, rien de bien méchant, si je puis dire. Rien de bien méchant. On pourra se mettre bien en face. J'aurais dû me mettre dans l'autre là-bas, ça aurait été rigolo. J'aurais snipé le sniper à partir du poste de sniper de l'autre sniper que j'ai sniper. Que j'ai, d'autres snipers que j'ai snipé plutôt. Respire, Marcus. Respire. Cible abattue. Qu'est-ce que ça veut dire le fait que les symboles deviennent rouge luisant ou rouge. C'est qu'ils sont en train de dialoguer, non? Je ne sais pas. Alicia, je connais une Alicia. Le point. Ok. Oh, si je peux me faire une belle brochette, ça pourrait être rigolo. Allez, on traverse. Soit je fais un truc vraiment très rigolo. Frag lancé, attention les yeux. Hop, voilà. Apparemment il reste quelqu'un dans l'escalier là-bas ou dans le bâtiment. Ils nous ont vus. Quoi ? Oh bien sûr. Bien sûr. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Alors, j'aimerais bien savoir d'où il sort le mec que je viens de buter parce que franchement... Enfin le mec que je viens de voir devant parce que je suis passé juste à côté d'eux. Hein. Et j'ai vu personne. Merci. Par contre ça aurait été bien d'éliminer la cible. Non, vous êtes sérieux les mecs? Non bah je vais crever malheureusement. Mais là je sais pas ce qui s'est passé pour moi. Chez moi ça s'appelle un pop. Et ça c'est pas admissible pendant une attaque. Que des ennemis repop par principe. Encore moins un jeu qui se veut baser sur l'infiltration. Chef des filières, si vous donnez 3 des 4 chefs de filière, je ne réagirai et vous pourrez l'atteindre. Cette promesse sont plus difficiles que d'autres. La difficulté est mesurée de 1 à 5 sur l'attaque map. Aider les forces rebelles, améliorer les... D'accord, ok, oui, bah, y a pas de souci de ce côté là. J'ai fait ce que j'avais à faire. Donc nous on va là. On va pas s'embêter. Deux sécurités sont visuelles. Au point de contrôle. Là, du coup, il y a du monde. Là, je veux bien le dire.
Quoi ? Je crois qu'on les a bien fait flipper. Ah, mais ils sont nombreux dans le coin, hein. C'est violent. Bon, y a pas de casse. Ce serait cool de trouver une bécane, mais je pense pas qu'on va en trouver une si facilement. Et on est à 900 mètres, chers amis. J'ai pas envie de piquer la bécane, la bagnole de quelqu'un. Donc on va y aller en mode savane. À coup de tatane. Ok, c'est parti. Ils sont pas très réactifs derrière, hein, je veux pas dire. Ok, la zone est claire. Y'a pas de bestioles ? Je me demande s'il y a des bestioles dans le jeu. Wildlands, normalement. Il devrait y en avoir. Ah, y'a pas de... Parfait. C'est tout ce que je te demandais, à vrai dire. Parfait. Parfait, très bien. Donc il peut parfaitement se déplacer, quel que soit le type de terrain, si je puis dire. Nous avons fait la moitié du chemin, chers amis, ça va assez vite, en plus on est en train de monter, donc pour peu qu'on redescende de l'autre côté, ce serait parfait. Par contre, on est bel et bien du chemin vallonné de montagne, comme vous pouvez le... Allez, Air America, pour moi. C'est pas le bon pays, mais pas bon. Non, je risque pas de toucher. Non, c'était une tache sur mon écran, désolé Marcus. Tu prends tes rêves pour des réalités. Allez, bah alors. Tes mains, tes doigts, tout ça. Bon, on va passer par là, c'est pas grave. Hop. Donc là, je ne peux pas passer, c'est clair. Hein. Hop, ok, bon bah on n'est pas si mal finalement. Même si je m'attendais à ce que ça redescende, mais un peu plus vite. Là, je suis obligé de me faire vraiment chier dans les petits... Ah. Serions-nous un poil trop haut pour toi? Oui, effectivement, tu sembles être... Ah non, c'est... je croyais que c'était un bruit d'hélicoptère, j'ai stressé, à vrai dire. Soyons honnêtes, j'ai stressé. Qu'est-ce que c'est que ça? Ok. Je ne sais pas. Cependant, j'ai moyen de passer par là, donc je vais passer par là. Ça me plaît jusque là ce que tu fais. Ok, vas-y grimpe. Tu peux grimper là ou pas? Non. Tombe pas, évite, ce serait cool. Évite, ce serait cool. Non, bah tant pis, tombe alors. On y retourne, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. Je suis un as de la grimpette. Allié ou ennemi? Allié, semble-t-il. Intéressant. Intrigant. Mais intéressant. Hélicoptère dans le coin. Et ennemi. Présence ennemie dans la zone. Oh, jolie ville. Très 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 jolie ville. Ok. Commençons par le bâtiment isolé. Mettons-nous là. Faisons voler notre... Personne autour de l'hélico? Bah dis donc, c'est étonnant ça. Moi j'aurais plutôt tendance justement à... Voilà, il fait demi-tour lui. Je vois une deuxième cible. Deuxième cible. Troisième cible. Désigné. Par contre, il est un peu près des civils. J'en vois un qui se trimballe avec des pistolets mitrailleurs. Ah, je suis hors de portée malheureusement. J'aurais peut-être amélioré la portée de ce... Hop, voyons voir.
Voyons voir. Le drone porté. Oui, merci. Je pourrais mettre un de vision nocturne aussi si je voulais. Niveau 7, nécessaire vitesse, marquage de zone. D'accord, efficacité plus 40%, infiltration, éteignez le bruit du drone. Mine sonore, d'accord, ok, pourquoi pas. IEM, explosif, zoom, vision thermique, blindage. Beaucoup de choses, beaucoup de choses, d'accord, ok. Et là, 700, oui, on n'est pas prêt de les avoir, donc. Ok, voyons voir au niveau de cette porte. Ah, il recharge, parfait. Ok. Effectivement, il y a une très légère différence. J'ai 20 mètres de portée en plus, quoi. Cible. Oula. Lieutenant, d'accord. Ok. Là-bas, c'est un sicario, tout près de l'hélicoptère. Oui, je l'ai. T'inquiète. Attention aux environs immédiats. Et il n'y a pas plus d'ennemis dans le coin là ? Sinon, je vois très bien une incursion par ce endroit-là. Ok. Plus de batterie, donc c'est pas grave. Ok, donc de toute façon, je pense avoir fait un bon topo des cibles. J'ai un sicario par là. Dis-moi où. À côté des sacs de sable. À côté des sacs de sable. Ils sont précis, hein. Un avion qui passe juste au-dessus de nous. Personne ne l'a vu. Là, il y avait une tête. Elle dépassait littéralement. Là, il n'y a rien. T'as du bol de t'en aller, toi ? Ok. On peut peut-être faire le tour par là. Ok, on est bon. À côté de son pote sans problème. Vous êtes sérieux là? Ennemi à terre. Hop. Lui là-bas. Hop. Le haut du crâne. De pneus. Putain. Quelle pile de pneus. Le pire, c'est que le machin, il m'a dit qu'il y en a un juste à côté de moi, quoi. La pile de pneus, je la vois. Le mec, je le vois pas. Hop, on va attendre que le lieutenant revienne, de toute façon. Ah, il est juste là. J'en ai eu un. Ouf, de justesse. Tout va bien. De justesse, chers amis, de justesse. Oh là là. Désolé, ce sera ta dernière. Ce sera ta dernière balade, malheureusement. Ça, c'est un allié.
L'autre il remonte. Il remonte. Putain, vous étiez pas censé. Je crois qu'il leur avait dit de rester, leur avoir dit de rester sur place. Putain, là-haut, d'accord, ok, il était juste là. Tu sers à rien, toi. Cible abattue. Hop. Ok. En fait, j'imagine qu'ils sont tous dans la maison. C'est moi qui suis juste hyper mal placé. Je vais quand même envoyer. Mon drone dans la maison, par principe. Qui se trimballe avec des pistolets mitrailleurs. Mais j'ai l'impression d'en voir certains que j'ai déjà buté en fait. Ça qui est chiant. Ok, l'autre le revoilà. Normalement. Il remonte. Merde, c'est eux. Mais non, c'est pas eux. Ok, on avance. Doucement, Kamini. Dis-moi tout. T'as 5 secondes pour me dire ce que je veux savoir. Soulte-moi, cabron. Tu vas mourir. Les caisses d'équipement. Je vais parler, ok. Calme-toi. Ah mais t'as plus la même voix d'un seul coup, c'est bizarre. 5 emplacements d'armes et d'accessoires. Waouh, armes et accessoires là-bas. Armes juste à côté de moi. Accessoires juste à côté ou au-dessus. Je vois une caisse d'armement par ici. Où ça? Putain, là-haut, ok. T'as une très bonne vue, hein, je veux pas dire, mais... Tu vois les choses à travers. Ça va être utile, ça. Compensateur, ok. J'ai pas d'échelle pour grimper, non? Quel dommage. Genre, ah bah, j'ai encore mieux qu'une échelle. J'ai encore mieux qu'une putain d'échelle. Ok. Donc. Il y a celui-là, là-bas. On a à l'intérieur du bâtiment, là. Ok, donc ils sont tous infaisables pour le moment. On est d'accord. Quoique, peut-être celui-là, là-bas. Allez, soyons fous. Arrête de bouger. Ah, putain, il tremble. Oh la vache, non. Là, on est repéré. Non, on n'est pas repéré pour ça. Je suis deg. Oh là-bas, je suis complètement deg. C'est parce que le personnage tremble trop, finalement. Bah oui, t'es dans la meilleure planque du monde, toi. Hop, anticipation. Tu veux bien viser l'ennemi, s'il te plaît? Hop. Viens, va papa. Il est en train de monter l'autre. Hop. J'en ai eu un. Allez, monte. Monte, je t'attends. Dieu merci, mon équipe est efficace. Hop, voilà. C'est bon, je pense qu'on est bon. Avec une bonne grosse partie de la ville. Mais non, tout va bien. Oh merde. Les renforts ennemis arrivent. Ennemi abattu. Ouf, le bordel. Il y avait un autre, non, d'ailleurs. Allez, mais qu'est-ce que... Dans quoi je suis coincé? Putain. Hop. Plus de véhicule. D'accord. Ils sont apparemment beaucoup plus solides, ceux-là. Avoir une balle en tête, normalement, ils résistent pas, hein, comme tout le monde.
Ok. Désolé. Cible neutralisée. Est-ce qu'on te parle? Est-ce qu'on te dit quelque chose, toi? Est-ce qu'il y a quelque chose? C'était une bagnole qui a explosé, non? Apparemment, ça tiroille toujours. Santa Muerte. Hop. Chose intéressante ici, normalement. Enquêter. Faisons une enquête. Hop, quelques photos sur mon smartphone. Le garage où Polito planque sa voiture de sport. On embarque la bagnole et le GPS avec. Ça quoi? Que ça nous dira où les chercher, sa petite copine et lui. Ça quoi? Tu peux me le redire, s'il te plaît? Ça me fait extrêmement plaisir ce que j'ai entendu. Peux-tu me répéter ça? Et les filles? Déjà, on va se trouver un petit peu d'aide. Filez-nous un coup de main. Ça va aller, les filles? Ok. Parfait. Il m'a pas vu. Ah putain, la vache, je croyais que je pouvais lui donner un coup. Mais en fait, j'ai appuyé sur empoigner comme un con. Bon, d'accord, j'aurais dû donner un coup de crosse avec... Ah bah. Ah bah. Prends ton temps, je suis... Tout va bien, je me vide juste de mon sang, tout va bien. En fait, je me suis planté de bouton. Je pensais que je pouvais faire, vous savez, comme dans Batman, le prendre directement au corps à corps, mais non. En fait, non. Oui, tout va bien, t'inquiète. Merci. Je vois des choses à aller chercher là-bas. On en est où? Faut regarder quand même, on en est dans les plans, on est à 1h22, chers amis. Ce sera donc les dernières choses que nous ferons dans cette vidéo, parce qu'après, il faudra que je la monte, ce qui va me prendre à peu près 2h et il est minuit. Donc voilà, je vais me coucher à l'heure habituelle, finalement. C'est pas grave. C'est pas grave. Cool. Donc Santa Muerte, en fait, c'est tout simplement... Ok. Vous vénérez la mort. C'est vous qui voyez, hein. Moi, je dis ça, mais vénérer la mort, techniquement, pour le karma, ça doit pas être terrible, terrible. Alors, c'est pas par là qu'elles sont les munitions. Qu'elles sont les munitions? Ou qu'elles sont les munitions? Les munitions. Les munitions. Moi, c'est les munitions qui m'intéressent, chers amis, finalement. Ah, là, juste là. Hop, prendre les munitions, on est bon. Crac. Ah, je peux pas grimper là, quel dommage. Là encore moins, il y a du barbelé. Bon, je fais le tour, c'est pas grave. C'est pas grave. On va monter dans la voiture, on va bien voir si je suis repéré ou pas. Attachez vos ceintures. Non, pas la reine de beauté, s'il te plaît. Oh, ça fait un peu voiture de, bah, de cartel finalement. Ah, salut fille, excuse-moi, je t'avais pas reconnu en fait. Ok, on est dedans. Hop, X pour sortir. C'est bon. Et on y retourne. Crac. Donc je tiens à rappeler quand même que ce genre d'épisode de plus d'une heure est extrêmement... Vise un peu le gourdin. Ah. Ah. Yuri et Piloto. Oui, ça je reconnais que c'est... Oh, c'est dégueulasse. Oh! Qu'on aurait fait tomber par terre chez le coiffeur! Oh! Yuri, arrête ça! Ustedes? Oh, c'est comment t'as retombé? Ah là, on dirait un tout corps qui s'est pas rasé pendant un mois! Oh! Por favor, arrête de coller ton nez dessus! Oh, je suis dégoûté! Oh, je vais avoir de sales images pendant toute la nuit, je vais faire des cauchemars! Bon, bah. C'est très luxuriant, c'est. Bonjour! Bonjour! Oh, tiens, je peux grimper sur le bureau, effectivement, oui. Je peux aussi enquêter. Localiser les médailles bonus. On va partir sur les médailles bonus, hein, vu que c'est bonus. Ok, cool. Des emplacements de médailles bonus. Ok.
Oh, débloque un bonus lié à une compétence. Putain. Où est-ce qu'elle est la sortie, nom de Dieu? Là, ok. Un bonus lié à une compétence, c'est complètement craqué en fait. Point de compétence. Alors, ils sont où ces bonus? Ici, j'en ai un, d'accord. Réduction de dégâts de 10%, d'accord. Et là, efficacité du... Efficacité plus 20%. Tout va bien, bonjour. Bonjour, vous inquiétez pas. Está bien, está bien. Ok. Là, j'ai un truc à aller... faire. Hop, balise matérielle, c'est bon. Et nous sommes bons. Je pense qu'on est bon pour cet épisode, chers amis. On va se laisser là. En tout cas les amis, merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à la pouce-vériser, la commenter, la partager, vous abonner, rejoindre le groupe Steam. Je rappelle que ces vidéos d'une heure et demie sont uniquement là pour la bêta du jeu, hein, pour que vous puissiez profiter du jeu avant qu'il ne sorte au début mars. Donc voilà les amis, j'espère que vous amusez avec moi. Moi je sais que c'est une vidéo un peu plus calme. Putain, je crois que c'était un mec avec un flingue là. Ouh, ça va plus. ça ne va plus. J'espère que vous profitez bien en tout cas de ces vidéos. C'était Marcus Bonus dans la Playroom. A plus pour d'autres aventures. Salut les gens et souhaitez-moi un bon montage. Salut.